Yo les gars, c'est Jeffrey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le cinquième épisode de notre aventure, ma carrière sur NBA 2K21. Donc on va continuer directement. On va voir ce qui va se passer. En tout cas, ça a l'air d'être long l'histoire, donc c'est bien, hein, il y aura beaucoup Yo, d'épisodes. absolutely. Air ball, Alex Williams. You don't know her show, bro? What? Did I? Yes! She's one of the top national college basketball influencers, and she's blowing up with a dope blunt podcast and video channel. You gotta take it seriously. Because an NBA draft is definitely due. Alright, I'll check out. No, no, no. You're gonna do it now because she's all over you. Right here, she singled you out and issued a challenge. Hold down. And she even hit me on my social to make sure you got it. Let me see that. Okay, so I meet this challenge and then what? I'm sure she'll have you on the show. And if I don't, she'll bury you. I've seen it happen before, stone cold ruthless. Alright, fine. She wants to go, we can go. I've never been afraid of no challenge. Ok, on a un défi, marquer 20 points. Sinon, je sais pas si c'est une journaliste ou quoi, mais elle nous démonte. Allez, c'est parti. You know, that's one of my favorite parts of watching these games. Seeing what kind of dynamic voilà. Back to Miller. Ok. Voilà. Ah ouais, mes frères. Le déplacement qu'il fait. Voilà. Où tu vas? Oh là, il est beau. Allez, allez. Plus que 14. Oh, mes frères. Putain, c'est con. La gavage. Oh, la faute. Allez, lancer franc. Il est beau. Ok. Oh là là. Putain. Oh, je t'ai vu. Bien joué. Oh, s'il rentrait, putain. C'est pas grave, on a quand même le lancer franc. Oh, il est beau, il est beau. Je l'ai fait un peu tôt, mais. Il est beau lui aussi. Voilà, 2 sur 2. Non. Oh, il rentre pas. Il est rentré. Non, je crois pas. Bon, j'étais obligé de faire faute. Allez, allez, loupe. Yes. Gavage. Ok, on sort. Simule direct. On en est. Ok, on gagne 22-14. Allez, mets-le. Mets-le. Voilà. Oh putain, je la touche, non? Allez, on l'attente. Oh, il est beau, magnifique. Le double pas, j'ai mis, j'ai oublié de vous dire, les gars, ça sert vraiment. Magnifique. On défend bien. On a. Oh, ce qu'il met. Magnifique. Oh, il est beau. Bien joué, les gars. Aïe. S'il mettait. Ok, c'est bien. On finit bien le premier quart temps. 31-19.
Et je pense qu'on va mettre les 20 points, normalement ça devrait aller. Après il faut 20 points et gagner, mais normalement ça devrait aller aussi. On va voir comment ça va se passer. Allez. Putain, comment il met. Je... Voilà. M'a gêné, j'ai pas pu tirer. Ok, on est sorti. Tu vois qu'on gagne, ouais, ça va, on gagne de 10 points. Allez, il est beau. 21 points, les 20 points ils sont remplis. Mets-le, bien joué. Non. Putain. Allez. Oh. Ok, on a les lancers francs. Bien joué ça. Allez. Oh. Il était beaucoup plus beau celui-là que l'autre, mais il rentre pas. Oh là là. Magnificos. Aïe. Mais plonge. Plonge. Bien joué. Parfait. Alors on va essayer d'aller chercher le takeover. Voilà, il rentre. On a le takeover, nickel. Farrah. Ouais. Voilà. Oh. Allez. Faut les mettre. Il est beau. Ok. Allez, on va chercher les 30 points. Non. Eh ouais, je suis bête. Bien joué. Allez, ça rentre. Non. Putain. Allez, mets-le. Bien joué. Ah ouais, mais là je suis obligé de faire faute, tu allais le mettre. Trois fautes. Putain. Ok, ben je finis pas le match. En tout cas, l'objectif est rempli pour le point, les points qu'on devait mettre. On devait en mettre 20, je crois que j'en ai mis 31. Ouais, un rebond, trois passes D. Donc ça va, on est pas mal. À moi, Nantes. On va voir du coup si ce qu'elle va dire sur nous. The media is going to overanalyze every move we make on and off the court. And it's affecting the team because they're hearing it and they're reading it. If Alex Williams is burying you, then we all get it. But look, your draft stock will rise. You see, I ain't mad at that. As long as we keep winning, everything else will take care of itself. Yes, sir. Ok, la cote qui est montée aussi. What's up, Junior? Good to see you. Not too much. I gotta walk. But look, I'll get right to the point. I know what happened between Coach Bishop and I is still eating at you. Yeah, it didn't say that. But I want everything to work out between us, but Coach Bishop don't trust you. He just wants what's best for you. Hey,
So do I. But you still want to get paid if I make it to the NBA, which is fair. You know, I got you here. You do? When you had your choice of school, I never tried to nudge you either way. That's right. I was surviving before we met, Junior, and I'd still be surviving if you decided to never play basketball. Look, Art, you got me here. And I love this place and what I'm trying to accomplish for this school, but things can change if I don't feel like they're working out. I just want that to be clear. You don't have a contract. That's clear. All I can do is keep trying to earn your trust. Okay. So, you ready to see what the inside word on your draft stock is? Definitely. All right, so look, I gathered all my intel into one place for you to take a look at. But it can update as the season goes. Ouh, on est dans les jeunes espoirs. On est 33e. Il y a du beau monde hein, quand même. 33 sur combien aussi? Ah non, il y a du monde faible. Sur 60. Meilleur jeune espoir draft d'NBA 2020. Position actuelle des juniors. 33, tour 2. Ok, ok. C'est bien. C'est bon à savoir. What's the start supposed to mean right now? Nothing yet, but it'll all shape up as we get closer to the end of the season. Just keep winning, keep your numbers up, your stock will rise. Okay. If we're losing, I'm not producing them in the fall. Nah, I was gonna say it's not that simple, but it kinda is. Alright. Work to do. So, catch you later, Arch. Alright, boy. Pardon me. Thank you. Ah, la belle gosse. Can I help you? You're Junior, right? Yeah, that's right. And now it's Brian. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay, CL. How did you get on the bus? How did I get on the bus? Yeah. You'd be surprised by how many people think trespass means all access. Can I say what a pleasure it is to meet Mr. Big Time Professor Dunk himself? I'm just wondering whether I should call you a selfish layer, a chemistry risk, or, you know, tell the truth and let everyone know you did it for a girl. Who told you that? I never reveal my sources. But his name rhymes with Ted. Listen, these other players that you're covering, they don't get the same, let's just call it, attention. Attention. Yeah. So what's the deal with that? What's the deal? Well, I get it. It may seem cruel or, you know, arbitrary, but it's the opposite. I love the potential of who you are and what this game is all about. At times, it can be inspiring. Okay, and at other times? At other times, not so much, but you're growing and developing, and this is my way of helping you reach your potential. So why can't you just say that in an article? What's with all these games? I'm building a profile too. The games, conflict, that gets eyeballs and clicks. And what if you don't develop? I write a cuddly piece about you and then what? NBA decision makers pay attention to what I say. I've built a career on honest, unmerciful critiques and I'm not backing down from that now. Look, the stakes are impossible at this level, Junior. You know that. And even worse when you get to the next level. You might as well prepare for it now. Everyone knew your dad was up for it. The long shadow that follows you around. Is that funny? It is, because it's an angle. Trust me, I get where you're coming from. But the media is a lot more twisted about the legacy of Duke than I am. Am I supposed to take that at face value? I'm assuming you got another challenge. Yeah, I do. Two games, first and foremost. I'm all about winners, so win the games. Secondly, everyone wants to see you develop as a scorer. So bump your scoring average up from where it is now. What do you say?
Challenge accepted. Challenge accepted. Nice. Something about you. Professor Dunk. Mr. Big Time. Wait. Ok, elle a l'air vraiment d'être chiante. Hein. On va voir comment ça va se passer, mais la pression, il va falloir jouer sa vie. Ok, on peut direct passer à la draft, mais nous, on va continuer l'aventure hein, jusqu'au bout. Je vais juste enlever mise à jour nécessaire, les gars, on se retrouve dans 2 secondes. Ok, les gars, ça devrait être bon. Normalement, le message est disparu, donc on va juste voir ce qu'on peut améliorer et on continue. Donc, on va se mettre tirer à 3 points un peu. Voilà. Ok, on continue, c'est parti. C'est parti. Donc faut qu'on assure niveau points. Parce que sinon, elle va encore nous démonter. Enfin encore, elle nous a pas démonté, mais elle a dit qu'elle allait parler de nous en mal. Non. Ça commence mal. Oh. Allez. Oh là là. Allez, allez, on met les deux. Il est beau. Mais quoi? Putain. Voilà, il est beau, il est beau. Putain, mais... Oh, bien joué, magnifique. Bien joué. On passe devant, allez. Bien joué, la passe D. Non. Ah mais je suis bête. Je t'ai vu. Mais le. Bien joué. Tu l'as. Oh la faute. Allez, il loupe. Ok. C'est mieux là. On se retrouve où? Ok. On gagne. Il reste 4 minutes. Allez, loupe. C'est à côté. Ok. Allez, on se la tente. On se la tente. Ça va, tu changes de joueur comme ça, toi. Oh putain, la faute. Oh. Allez, mets-le à côté un peu. Oh là là. Allez. Voilà, il passe. La merde. Je suis con. Putain. Mais il manque pas un lancer franc, il manque faible. Oh, il est beau. Bien joué. Non. Oh, mais c'est un truc de fou. Non. Mais c'est pas possible. J'ai même pas le temps d'aller dessus. Allez. Voilà, il est beau, il est beau. Voilà. Essaye. Bien joué. C'est bien, les gars. Putain, mais c'est fou. Mais le. Bien joué.
Ok, joue le temps. On les loupe là. Voilà. 38-33, fin du premier quart-temps. Faudrait qu'on marque un peu plus de points. Mais après, des passes D aussi, ce serait bien. Parce que là, on n'est pas beaucoup. Allez, c'est parti. Mais le, bien joué, petit. Non. Oh, on s'est fait bouger. Oh, malheur. Ok, on gagne la faute. Non. Ok, rentre. Allez. Il est beau. Voilà. Eh ouais, mais regarde ça. Le grand, il est au milieu et me gêne. C'est tout ce qu'il fait du match. Non. Oh là là, on est mort. Eh ouais. Allez, il faut enchaîner là. Mais putain, mais... Il était dans le panier, il était. Allez, on simule. Ouais, faible, oh là là. D'où ils s'en sortent. J'ai même pas le temps de sauter, il a déjà tiré. Voilà, bien joué. Allez. Bouah. Ah, le nez en sang, il doit être. Non, il va la mettre. Mon pote. Allez. Mais rentre. Voilà. Bien joué. Non. Eh ouais. Mais le. Bien joué. Le 3 points. Allez. Non. Impossible qu'il mette. Ouais, frérot. Putain, mais. Oh, faible. Attends, on gagne la faute. Allez. Il est beau. Ok. Bah, j'ai fait le même. Ça m'a changé de joueur. Non, putain. Ah, faible. Oh, bien joué, magnifique. J'ai rien dit. Non, prends-lui. Bien joué. Allez, il a un loupin. Hein. Putain. Allez, à côté. À côté. Ok. Oh, il est beau, parfait. Le double passe est vraiment calé. Non, mais comment? C'est incroyable. Tente-le. Magnifique. Oh, j'allais lui mettre. Allez. Putain, je suis bête. Ouais. Bien joué la faute. Allez, petit. Voilà, mon grand. Oh, ok, on sort pour la fin du match. Ouf. Ok, on s'impose 72-66. On n'a pas mis au moins 20 points, c'est un peu dommage. 6 passes D par contre, ça c'est bien. Et 2 rebonds. Et un assist en finition. Ok. S'attache, hein, le petit. Oh.
Elle, elle est chiante. Pas affolée par moi. Ok, donc les gars, le prochain truc c'est fin du deuxième tour, du premier tour, la prochaine étape. Donc on va se laisser là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.